Bonjour, voici votre tirage au Shōzen pour ce mois de décembre, ami Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince de feu, qui vient faire un pendant finalement à la carte du mat. Nous avons le même mouvement dans les deux personnages. Dans les deux personnages, c'est l'optimisme, c'est l'envie de progresser, c'est l'envie d'aller de l'avant, c'est l'envie de vivre des expériences. C'est une énergie de bâton qu'on a ici. Et c'est ce qui vous anime ici. Vous avez envie de vivre une aventure. On a le 7 de Pentacle, le 3 de Pentacle et l'Ermite. Ici, on a 10, 19. C'est-à-dire que cette situation-ci, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une situation maintenant, ça peut être un constat, une leçon dont vous tirez les enseignements et qui vous prédispose à quelque chose de différent. L'envie de faire tourner la roue, l'envie que ça progresse, l'envie d'essayer quelque chose de nouveau. Il y a cette dynamique dans ce tirage. Et c'est pas forcément la relation amoureuse, c'est pas forcément une relation particulière. 2 de coupe, roi de coupe, as de pentacle, 4 de coupe. J'ai le page d'épée ici. J'ai le 7 d'épée, j'ai le 4 d'épée. Et le 3 de pentacle est au centre. Il est fort possible que vous réévaluiez un certain nombre de partenariats. Pas seulement le partenariat amoureux. C'est-à-dire que vous vous interrogiez sur les personnes avec lesquelles vous mettez en œuvre des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Est-ce que, ensemble, on forme une bonne équipe? Est-ce que c'est un bon ou une bonne collaborateur, collaboratrice? Ici, il y a des choses qui ne vous satisfont pas, mais vous voulez y remédier sur le long terme. Et c'est ceci qui est intéressant. La tour ici, elle était aussi ici. Le 10 de pentacle, les amants. Page de pentacle, 7 d'épée. Ici, j'ai envie de dire, c'est vraiment toutes vos relations que vous passez au crible. Celles qui appartiennent au passé, celles qui font partie du présent. Parce que vous vous mettez à étudier celles où vous vous trahissez. C'est-à-dire que vous faites quelque chose qui finalement ne vous ressemble pas, ne vous convient pas. Et vous voulez remédier à ça. C'est parce qu'ici, on a aussi alors le 2 de bâton, le 3 d'épée, le 7 de coupe, le 7 de bâton. Ce 7 d'épée, ici, c'est vraiment une interrogation dans votre esprit. J'ai des opportunités, j'y crois la plupart du temps, mais vous voyez, en dessous du 7 de bâton, on a le 4 de coupe et l'as de bâton. Vous avez bien conscience que parfois, vous vous investissez à perte. Vous mettez votre énergie, vous faites des projets avec des personnes avec qui les projets n'évoluent pas bien, avec qui, ce qui est vécu, ce qui est mis en œuvre, n'est pas réellement plaisant. Cette énergie de 7 au départ, c'est je tiens les rênes, mais maintenant que je sais diriger le chariot, j'aimerais bien aller dans une zone qui me ressemble plus. D'ailleurs, là, je vais dire, l'image la meilleure, c'est suivre le courant. C'est-à-dire que, on va dire, un immense fleuve, il y a des zones qui vont être plus chaudes, il y a des zones qui vont être plus froides. Enfin, tout est une question de goût, ici. Et forcément, comme je dis souvent, si vous allez au sud, vous aurez l'atmosphère du sud. Au nord, l'atmosphère du nord. Et vous venez interroger vos relations dans ce sens-là. Le roi de pentacle, le 8 de coupe, l'impératrice, le page de bâton. Le roi de pentacle, ça peut être vous qui passez au crible vos relations, parce que vous avez bien conscience qu'il y en a certaines qui ne sont pas alignées.
et donc vous lâchez prise sur certains engagements que vous avez pris. Mais roi de pentacle, au-delà de ça, il revient parler de ce roi de coupe. Page de bâton, c'est volontairement, j'ai envie de dire, vous prenez un nouveau départ. C'est je vais établir les choses sur de nouvelles bases dans certaines relations pour 7 d'épée, page de bâton, page d'épée. Il y a l'envie de tester quelque chose ici. Vous avez besoin d'être sûr, c'est pour ça que l'ermite est ici. C'est pour ça qu'il est au-dessus de ses énergies. Parce que page de pentacle, impératrice, tour. J'ai l'impression que vous faites passer des tests. Que vous décidez, très bien, je cesse de me baser sur ce que je suis, ce que je crois, ce que je pense. Je lâche prise complètement sur ma conception des choses, sur ma position. Et je vois, quand je mets quelque chose de neuf, quand j'essaye quelque chose de nouveau, quand je dis, par exemple, à présent, j'ai tel point de vue, j'ai telle opinion, j'ai changé, j'ai désormais tel objectif. Il peut y avoir ça aussi. Il peut y avoir ce besoin d'exprimer vos nouveaux objectifs. Et ça sert de test dans les relations. Parce que vous avez choisi déjà de mettre en œuvre quelque chose. 4 d'épée, les étoiles, le magicien, l'as de bâton. Cet as de pentacle ici à la base. Vous voulez approfondir quelque chose, vous voulez tenter d'aller plus loin dans une aventure. Alors ça peut être plus spécifiquement dans une relation. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, qu'en est-il? J'ai l'impression que c'est pas très constructif, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui refuse de s'engager? Est-ce que c'est quelqu'un qui, pour une raison X ou Y, n'est pas vraiment impliqué dans la relation? Mais il peut aussi avoir l'idée que vous avez un projet et que vous passez au crible votre entourage parce que vous avez le sentiment que aucune de ces personnes, 4 de coupe, 4 d'épée, 2 de coupe, as de bâton. J'ai des personnes autour de moi, mais aucune d'elles ne peut m'accompagner dans ce projet. Il faut que je considère les choses différemment, ou sinon je n'aurai pas mon résultat. Il y a plusieurs choses qui s'entrecroisent ici. 5 d'épée. 5 d'épée, as d'épée, tour, page d'épée. Ici, il y a une décision révolutionnaire. Que vous soyez freiné dans vos projets parce que vous ne trouvez pas la bonne personne, cherchez bien à aller pas loin. C'est quand vous allez étudier la situation, tout d'un coup, vous allez avoir une idée, une révélation qui va vous dire c'est à tel niveau, c'est tel endroit que je peux chercher quelqu'un, ou même c'est telle personne à laquelle j'avais pas pensé qui est idéale pour ce partenariat. Et si les projets ne sont pas en train d'évoluer, de progresser comme ils le devraient, que vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous trahit, ici vous découvrez qui c'est. Parce que c'est peut-être ça que vous devez affronter. C'est quelqu'un qui trahit les projets que vous essayer de mettre en œuvre. Parce qu'ici, entre le roi de coupe et les étoiles, on a le 3 d'épée. Puis on a le 7 d'épée en dessous du page de bâton et du page d'épée. Donc là, on reconsidère les choses. Parce que impératrice, tour, on a bien conscience que il faut repartir à zéro. Le mat et le prince de feu sont vraiment tout le temps au-dessus de ce tirage. Il s'agit de repartir à zéro dans votre conception des relations. Il s'agit de repartir à zéro dans votre réflexion sur la progression des projets, sur la progression des collaborations. C'est pour ça que la tour est sur sa tasse d'épée, parce que c'est une phase difficile à accomplir. C'est une phase qui va vous demander de faire preuve d'optimisme, de persévérance, 2 d'épée, jugement, 6 de coupe, reine de bâton. Ça nous renvoie aux pages de bâton, ça nous renvoie à ce roi de pentacle qui dit stop, je repars de zéro. Je ne regarde plus le diagramme de l'entreprise, hein, de ce que j'ai créé, parce qu'au roi de pentacle, je suis très constructif comme personnage. Non, là, je veux des relations qui aient du sens. C'est aussi ça qui est intéressant.
Là, l'as de pentacle, non, pas possible pour l'instant. Ici, on renonce au pentacle pour repartir à zéro sur les projets. Il y a quelque chose à comprendre au sujet de vos relations proches, au sujet des collaborations, des personnes avec lesquelles vous vous alliez. Ce sont vos alliés ici, les deux de coupe. Est-ce que ces personnes collaborent avec vous parce qu'elles sont des alliés? Est-ce que ce sont des personnes qui ont un rôle à remplir, un rôle vous permettant de progresser, d'évoluer? Parce que tout le propos, c'est de savoir où vous voulez diriger ce char. Le faire avec l'optimisme, l'enthousiasme du mat, c'est très bien. Mais l'ermite vient bien souligner que il s'agit de donner la direction à tout ça, il s'agit d'aller voir plus loin, il s'agit de viser un objectif et ensuite de le mettre en œuvre avec enthousiasme. Trois de bâton, papesse, fou, chevalier d'épée. Une fois que vous aurez décidé à quoi vous en tenir sur les autres, que vous aurez fait du tri dans vos collaborations, vous pourrez prendre un nouveau départ dans les projets. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la décision. Une fois qu'il y a cette décision, vous entreprenez les choses différemment avec les autres. Vous faites des choix différents dans les personnes avec qui vous collaborez. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer à terme. Parce que vous pourrez mettre en œuvre vos projets avec de nouvelles personnes. C'est très clairement ici l'objectif. Arriver à prendre ce nouveau départ. Arriver à faire un tri entre les relations qui peuvent monter avec vous dans ce char et vous aider à progresser dans la direction où vous voulez aller. Parce que c'est ça aussi. Ici, vous êtes tellement déterminé sur ce que vous désirez au départ que vous êtes prêt à y renoncer le temps de trouver les bons coéquipiers ou les bons compagnons. Pour certains d'entre vous, c'est une rencontre. C'est une rencontre qui vous fait tirer un trait sur le passé. C'est une rencontre qui vous fait dire, tiens, ça y est, cette fois, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je peux faire telle ou telle chose. Ça peut être aussi quelqu'un du passé, messaging de bottle. Il arrive que ce soit quelque chose qui revient du passé. De toute façon, vous devez avoir cette sensation que vous êtes épaulé, que vous êtes soutenu. C'est un coup de main qui vient. C'est un coup de main qui amène l'harmonie. Donc, c'est quelqu'un qui vient vous épauler. Le sentiment d'être réellement compris et soutenu, cette sérénité que cela vous donnera, sera un très bon indicateur de ce qui est vraiment positif pour vous. C'est aussi pour ça qu'on a le 7 de pentacle, le 3 de pentacle et l'ermite. C'est... Même si ça se réfère à la situation présente, c'est maintenant que vous devez faire du tri. Ici, il y a quelque chose qui a évolué au fil du temps. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée deux fois, couvert par la tour, et qu'on a le fou deux fois. Parce que ici, on change. On change sa façon, on s'éveille à quelque chose. On a trouvé un chemin qui nous ressemble. On a compris des choses sur soi. Et c'est cet éveil, c'est ce processus de compréhension qui amène des décisions immédiates et une nouvelle réflexion aussi qui est très rapidement. C'est ça que vous appréhendez. Intéressant dans cette position.
prenez du recul sur ce que... Alors, c'est quelque chose que j'explique pas mal en ce moment. Une émotion, c'est quelque chose de transitoire. C'est-à-dire que face à un objet, quel qu'il soit, une personne, une situation, etc., donc face à quelque chose, quoi que ce soit, vous allez avoir une réaction tout à fait personnelle. Vous allez avoir une série d'émotions qui vous sont totalement personnelles. Je vais avoir une autre série d'émotions qui me sont totalement personnelles. Alors, il peut y avoir, du fait de la norme d'internalité, c'est-à-dire de ce que l'on intègre comme étant une normalité sociale, culturelle, admise, il y a des choses sur lesquelles nos émotions vont converger. Si c'est quelque chose d'épouvantable, on va avoir une réaction assez similaire de dégoût. Mais devant un objet assez anodin pour vous, peut-être que moi, je vais voir un objet épouvantable. Et le contraire est valable. C'est-à-dire que moi, je vais voir un objet anodin et pour vous, ce sera un objet épouvantable. Nos émotions, c'est quelque chose de transitoire, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'immédiat. C'est ce qui peut noyer notre instinct, notre intuition. Et c'est ce qui peut nous faire perdre la conscience de ce que l'on est réellement. Un sentiment, c'est différent. Un sentiment, c'est quelque chose de durable. C'est quelque chose qui persiste. Si vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas bon pour vous, même dans les moments où il y a de la joie, où il y a du rire, où il y a des choses positives qui arrivent, vous avez encore le sentiment que... Ben, vous avez peut-être une petite voix qui vous dit « ça ne va pas durer », qui vous dit... À chaque fois, on rigole, mais ensuite, ça va dégénérer. On peut avoir voilà, cette disposition de rabat-joie. Et ici, prenez du recul quand vous avez ce sentiment qui persiste. C'est-à-dire, oui, on rigole bien, mais j'ai toujours ce sentiment que ça ne va pas. Que quelque chose n'est pas... Quelque chose n'est pas à sa place, quelque chose n'est pas réellement tel qu'il devrait être. Ce sont deux énergies extrêmement différentes ici. Quoi qu'il en soit, prenez du recul sur ce qui vous rend malheureux, sur ce qui vous donne le sentiment de ne pas être à votre place. Parce que ça vous indiquera aussi dans quelle relation vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas compris. Vous avez aussi des doutes sur vos objectifs à long terme. Oui, ici, il y a le sentiment de se trahir. On étudie la situation. Je vous le rappelle, un 10 de pentacle et amant, on avait la tour ici. Et une fois étudié, on se disait... que c'est bien beau sur le papier, mais ce n'est pas réellement ma tour, ce n'est pas réellement ce que je voulais. Ça, il n'y a que vous qui puissiez trouver ces réponses-là. Admettez le fait déjà que vous avez changé. C'est le propre de tout être humain. Nous évoluons, nous progressons. Un jour, vous pensez vert, le lendemain, vous allez penser bleu, le surlendemain, vous allez penser rouge. Le jour d'après, ce sera jaune. Et le jour suivant, vous allez réussir à faire rouge, vert et noir dans la même journée. Nous changeons d'avis. Il y a des choses fondamentales qui structurent notre personnalité, mais nous changeons d'avis. Nous nous ajustons par rapport à la réalité, par rapport à ce qu'il est possible de faire. Donc, faites la paix avec les changements qui sont arrivés chez vous, dont vous prenez conscience à présent. Des comportements que vous avez modifiés, considérez-les en toute honnêteté. Si ce sont de bonnes habitudes que vous avez acquises, félicitez-vous et vivez selon ces nouvelles habitudes. Si vous estimez au contraire que ce sont des mauvaises habitudes, oui, effectivement, il faut reconsidérer vos objectifs. À mon sens, vous avez surtout évolué dans la façon dont vous vous reliez aux autres à cause de ce 6 de coupe.
vous comprenez mieux certains liens. Ici, de toute façon, on a un processus de renaissance. On a le nouveau départ. On a ce nouveau départ. Faites preuve d'optimisme, soyez persévérant, soyez bien conscient. Hein, on a le char, on a l'ermite ici, avec l'as d'épée qui viennent chapeauter ce tirage pour dire que, il faut que vous preniez des décisions qui vous permettent de progresser, qui sont alignées sur ce que vous êtes. Et je vous rappelle, 9 et 7, ça fait 16. J'ai peut-être oublié de le dire. C'est pour ça que j'ai mis autant d'emphase sur la tour. Parce qu'une fois que vous aurez pris cette décision, vous serez prêt à la mettre en œuvre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 17, les étoiles. Et 17, à nouveau ici. Tournez-vous vers ce qu'il y a de meilleur. Faites du tri dans vos objectifs. Alors oui, ça vous obligera peut-être. Oui, c'est ça qui peut aussi vous obliger réellement à remettre en cause vos relations. Le tri dans les objectifs. Il y a une série de questions auxquelles il faut répondre ici. Profondément. Réellement. Qu'est-ce qui a du sens, 6 de coupe, pour vous, tour? Qu'est-ce qui n'en a pas? Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.